El Boss Music. Encore des nids. La zone est infestée. C'est ça l'odeur. Je vais tout cramer. Faut que je les élimine. Hey, oh. Des pillards. Ces connards me tueront à la première occasion. نشوف اللي كاين حاجة هنا وصل مكان ها؟ وات؟ كملنا معاكم أصحابي.
هما كانوا هنا وانا باش نمشي. مرحبا. What? Il y a un truc dans le coin. Quoi encore? Tire lì. Hey, toi là. What? Abandonne. Lâche ton flingue. On te fera rien. Tu peux me croire sur parole. Ah, j'ai touché. Oh. Ça y est. Viens y balle, Sahabi. دندولو نها. Je pourrais en faire quelque chose. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification.
vu ça. Bon. Ouais, de la ferraille. Je sais ce que vous mijotez, bande d'enfoirés. Ils sont où, Tucker et Alkaï? Sur le site d'excavation. Lequel, bordel de merde? Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto, ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu le dis. Putain. Ja, es muss. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un champ de roches volcaniques géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Il nous faudrait des marteaux-piqueurs. Ha, pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Hé, hey, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme, il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Al. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Al. J'ai autre chose à faire.
Les Reapers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne ne les a arrêtés? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le nord? Hal! Est-ce qu'ils venaient vers nous? Oui ou non? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi? Qu'est-ce que Hal. Tu me veux, du con? De quoi est-ce que tu me parles? Bon sang, Alkai! C'est pas à lui de savoir ça, c'est ton putain de boulot à toi! Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Reapers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi? Non, ça va, j'attends juste que tu deviennes moins con. Stop! Est-ce que t'as retrouvé Léon? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené un survivant? Ce qui reste encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de plus. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Cope. Son camp est proche du vôtre? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va où ça lui chante. Quoi ça? Putain, toi de nez. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit? Mais comment qu'on le laisse brûler? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence. Ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto? Tu pisseras dans le réservoir? Qu'est-ce qui se passe encore? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire, ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassis de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants s'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais et armés ont survécu, plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là, à espérer que je leur offre le gîte et le couvert, pour qu'ils puissent tirer au flanc jusqu'à la fin du monde. Hé, hey, toi! Remets-toi au boulot! M'oblige pas à aller chercher Cyrus! Bande de gros rien. Ils peuvent se tourner les pouces tant qu'ils veulent le soir, mais leur journée m'appartient. Gérer un camp, c'est un peu comme gérer une prison. Je me souviens plus, t'étais quoi? Directrice de prison, un truc comme ça? Rien d'aussi important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitencier? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. On aurait dit une jeune fille, mais il l'a vu en coup de vent. Il s'est arrêté pour la chercher, mais il est revenu bredouille. Il est sûr de lui? Larsen a autant de bouteilles que toi. Il sait reconnaître un humain d'un mutant. Mais t'es taillé pour cette mission. Trouve-la, avant que les mutants le fassent. Je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, Tuck, je veux le reste de mes crédits. Pour Léon. Ramène-moi d'autres survivants, et je te couvrirai de crédits. Faut que je trouve Wheeler. J'en connais un qui va passer la nuit au trou. Alkai. Tu veux quoi, Drifter? C'est quoi ton problème? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du RIP, du côté d'Iron. Évidemment. Il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé. Au sujet
de deux motards, deux hommes. Pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Le Reaper a parlé de Mongrel. Combien de drifters portent encore leur couleur? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as, parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. T'as besoin d'autre chose? Merci. Ok, ok. Je bouge pas. Tiens, salut. Comment ça va? Eh, hey, dis, ça fait un moment que j'ai pas vu Boozer. Il est dans le coin. Je crois qu'il bosse surtout pour Copland ces derniers temps. Dis-lui de ma part qu'il faudrait qu'il bouge un peu son cul. Et qui bosse aussi pour moi. Entendu, je passe le message. Ok. Ça sent les eaux pourries. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. On peut pas partir vers le nord tant que cette bécane n'est pas réparée. Va pour Copland. Salut mec.
piège. Égaré. Restez là, Charrière. Je vais vous aider. Rechargez. Je te prends ça. Putain de Reaper. Je vais tous vous buter. Jusqu'au dernier. Enfin.
Ici! Le voilà. Bien sûr. Servir. Ça va? Attends, j'y vais. Yeah.
Donc, dis comme ça, John. Si Doug, comme je te disais, ça fait un peu de chemin de bouger en même point. T'es sûr qu'il va bien? Si Dicole, Boozer va bien. Sûrement à rouler pour ce que je fais de la comme. Il est touché. J'ai l'impression que ma jambe ne porte pas dans son cœur. Ça fera l'affaire. Je l'ai dit, je suis pas sa régulière, Terminé. Merde, presque à court. On aurait dû le voir venir. Deacon St. John, tu me reçois? On a du boulot pour toi, Hot Spring. Tucker, bien compris, j'arrive. Terminé. Ok. Ça défoule. Tu vas bien me servir.
On n'en a jamais trop. Voilà, on y est. Laissez-moi deviner, plus d'essence ? Ben voyons. Bien sûr. Un bidon d'essence. Oh, t'en avais bien besoin. C'est bon. Voilà. Oh, ouais. Merde, ça va ramoter tous les moutons à la ronde.
le coup. Injecteur. La Nérose gardait tout le bon matos. C'est ça qu'il y a dedans ? Je suis là pour vous relayer. Eh bien, c'est pas trop tôt. Putain, j'en peux plus. J'ai loupé un truc. Ouais, un truc incroyable. Ce matin, il y a tout un putain de pèlerinage qui est passé. Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Une putain de secte. À moitié à poil, le crâne rasé. Il y en avait qui avaient de sales coupures. Et il y avait tout un convoi de vannes et de camions de hippies. Oh, merde ! Je les ai vus, ces clowns. Est-ce qu'ils scandaient des conneries du genre Relancez ! Soyez libres ! Ils se font appeler les RIP. Repose en paix. Ils ont un genre de messie qui pense que toute cette merde fait partie de là où ils allaient. Vers le sud. Où ils vont, je sais pas, et je m'en cogne. Allez, à plus, mec. Ok, qu'est-ce qu'il enregistre ?
Ah, et voilà. Ça y est. Hey, Cope. Je crois que Léon devait te ramener ça. Ah, Dick. T'as pris la bonne décision. Vraiment. Va voir Manny. Il pourra peut-être t'aider avec ta moto. Cope dit que tu t'investis pas mal. Il te le dira jamais en face, mais il apprécie vraiment. Manny, quoi de neuf? On a du bon matos, si tu cherches un truc. Excellent choix. T'en as pour un moment avec ça. Je vais m'occuper de ton arme, tu vas voir. Ok. À plus. Oh, putain, Dick. T'as entendu? Des hélicos noirs. Les fédéraux survolent encore les environs. Tu te rends compte? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Cope ne parle que de ça. Pour lui, ça confirme ce qu'il dit depuis le départ. Comme quoi c'est les fédéraux qui seraient responsables de tout ce merdier. Tu vois le genre? Ces délires de conspiration? Tu crois qu'il pourrait avoir raison? Copeland, avoir raison sur quoi que ce soit? Sûrement pas. Mais écoute bien, si jamais tu vois un hélico noir, un hélico du Nero, tu me préviens, compris? Ouais, pas de problème, Dick. Compte sur moi. À plus, mon beau. Je pensais pas qu'on te verrait si souvent. Damon. J'ai du bon matos en stock. Tu devrais tenir un moment avec ça. Ah ouais, ça c'est du bon matos.
Excellent choix, mon pote. Excellent. Prépare tout ça comme il faut. Super. T'as besoin d'autre chose? Tu devrais tenir un moment avec ça. Ah ouais, ça c'est du bon matos. Excellent choix, mon pote. Excellent. Prépare tout ça comme il faut. Je devrais avoir d'autres trucs bientôt. Ok, à la prochaine. Pourquoi t'es pas au pieu, bordel? J'arrivais pas à dormir. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Dans le tunnel. Papa la basique. Ça te fait perdre les pédales. Bonheur, écoute. Je vais là-bas juste parce qu'il y a des boutons, c'est tout. Je vais tuer ici ou là-bas, la prime sera la même. C'est tout ce qui compte pour moi. Et Tulip, c'est pour les mutants aussi. Je les ai vus, Dick. Sur la table, ce matin. Les mêmes qu'à votre mariage. Je m'en souviens, tu sais. Je vais pas... Écoute, Boozer. Repose-toi. Faut que j'y aille. Terminé. C'est pas des tulipes, Boozer. C'est du sédum. Rien à voir. Dis, Cope, cet homme que je traque. Il a tué qui? Est-ce que ça peut te foutre? T'es payé pour me le ramener, non? J'en ai rien à foutre. Je veux juste des noms. C'était qui, Cope? L'un d'eux s'appelait Randall. Il était au camp depuis presque un an. Je connaissais pas les deux autres. Tu veux que je demande? Non, ça ira. Si tu trouves ce fils de pute, tu me contactes sur la radio. Terminé. Voilà. J'ai besoin de ferraille. C'est ça. On avance. Le voilà! Casque argenté, réservoir rouge, c'est lui. Oh putain! Qu'est-ce que... Donc t'as cru que tu pouvais traverser comme le plan pour me tout mitrailler, c'est ça? Non, il est matos, il peut le casser. On fait un tour au supermarché. Merde! C'est complètement qui t'envoie!
t'as fait, sale connard ! Ah ! Non ! Non, non, non ! Figure-toi que Cobb voit pas ça d'un très bon œil. Je suis pas fan non plus, pour tout te dire. Mauvais pour la réputée Drifter. T'imagines si t'avais flingué Manny ? Hein, qui réparait ma moto, hein ? Sale petite merde. Va te faire foutre ! T'es un des larbins de Copland ! Un putain de kleps ! C'est tout ce que t'es ! Un putain de clébard ! Coupe, c'est fait. Je le tiens. Note les coordonnées et envoie-moi tes hommes. Tu m'entends ? Il est en vie ? Drifter. Ouais, bien vivant. Drifter. Par contre, je peux pas te dire combien de temps il leur restera. Terminé. Dis-lui, Drifter. Dis-lui ce que j'ai dit. Dis-lui qu'il pouvait aller se faire mettre. C'est réparable. Ça devrait le faire. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. J'ai encore cassé un putain de rasoir ce matin. Dans notre soi-disant utopie mondialiste, au lieu de profiter des meilleurs produits de la planète, on s'est retrouvé avec des trucs les plus pourris produits par la main-d'œuvre bon marché des pays étrangers. De tout ce qu'on a fabriqué ces 50 dernières années, rien n'a été conçu pour durer. Comme ça, au lieu d'acheter une fois, on achetait encore, encore et encore. Il fallait toujours avoir la dernière voiture, le dernier téléphone, les derniers ceci et cela. Tout ça pour entretenir la folie mercantile. Si on veut quelque chose qui dure, faut pas se tourner vers l'étranger. Il faut de vrais travailleurs américains aux manettes. Non, quand on construit quelque chose, ça résiste à l'épreuve du temps. Et les mains cameuses qui ont bâti ce pays, elles sauront faire face à tout ce que ce nouveau monde nous jettera à la gueule. C'était Marc Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Elles m'ont l'air pas mal pliées, Cop. Je te fais confiance. Et rien vaut un bon esprit d'entreprise. Merde. Non, c'est vrai que j'irai pas non à une nouvelle moto. Boozer, t'es là? J'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. Ouais, je suis là. Accroche-toi, Franck. Dès que tu seras remis sur pied, on file vers le nord. Comme on avait dit. Ouais, j'espère. Ça me manque grave de faire des motos. Concentre-toi sur ton rétablissement. Faut encore que je bricole la bécane et qu'on récupère du matos. On met les voiles dès que tu seras remis. Ok? Terminé.
ça a pas l'air trop grave. Ouais, ça va tenir. C'est encore là. Combien d'années il faudra pour que tout ça disparaisse enfin? Génial, le camp réfugié. Tu parles. Vous en sauriez mieux sortir de l'Ouest. Nero vous a laissé dans la merde. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. À l'époque de la Révolution américaine, quand on se battait pour notre liberté, on a obtenu le droit de porter des armes. Ce droit, on s'en est servi pour protéger nos familles, nos possessions et nous-mêmes. Mais notre cher gouvernement fédéral s'est mis à avoir peur des gens qu'ils avaient juré de protéger. Au fil du temps, ils nous ont
nous a supprimé tous les droits au port d'armes possibles, en utilisant quelques tueries de masse comme excuse, pour nous priver, nous, citoyens américains, de notre droit divin. Le contrôle des armes à feu. C'était le début de la fin du deuxième amendement, mesdames et messieurs. Dites-moi une chose. Si chaque Américain avait eu un flingue en main quand toute cette saloperie a commencé, vous croyez qu'on serait dans cette merde? Sûrement pas. Mais c'est ce que voulaient les fédéraux. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous éradiquer. Alors ces lois sur le port d'armes, elles étaient censées protéger qui? Certainement pas nous, les honnêtes contribuables. Un jour, si on se sort de tout ça, j'aimerais bien faire un sondage. Je vous parie que les survivants, ce sera ceux qui avaient des armes. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ok, Cop. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais récupérer tous les flingues que je peux trouver, et personne ne mettra la main dessus. Pas ici. Ce camp est à moi. Vous êtes pas chez vous. C'est compris? Ouais, c'est ça. C'est fini pour vous. Non, ce camp. Comment vous appelez le fils de pute? Hein? Thank you.
Ça peut toujours servir. C'était le dernier. Salut, chérie. Ouais, j'ai fait le ménage. Ils viendront plus t'embêter maintenant. Salut, c'est encore moi. Un truc. Hé, hey, c'est rien, c'est juste mon bras. Tu m'as dit qu'on ne devrait pas revenir, et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille, comme ça, attends, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé, hey, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Ouais. Deacon, attends! Sarah, viens! Y a une gosse, là! Attends! Hé! Hey. Eh, hey, ça va? Allez, viens. On va retrouver tes parents, d'accord? C'est vraiment une blague. Allez. Pour l'entrée. Oh, c'est pas vrai. C'est grave. Je sais pas, non, je pense pas. Bon, alors, appuie ici, aussi fort que tu peux. Tu peux courir? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On y est presque. Ah, d'accord. Allez. Il y a 2 heures, ça grouillait de fédéraux. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. Elle est brûlante. Merde, la lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où est le filet avant qu'ils arrivent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Mais je m'en occupe. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement. Elle
me rappelait beaucoup ma petite sœur, tu comprends? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Et souvent, elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Je me suis déjà fait planter, mais là c'est grave. Elle est brûlante. Putain, regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là ça passe pas, ok. D'accord, hé, tu peux marcher ma puce. Bouger, ouais, je viens, trouve-nous une sortie. Écoutez-moi, écoutez-moi. Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez ! Un hélico. Vous l'avez tué ! Écoutez, vous avez tué ma femme ! Oh non, 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 écoutez. Je sais rien au sujet du meurtre de votre femme. Et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout. Non, on n'a rien fait du tout. Non, vous avez tué ma femme ! Vous avez tué ma femme ! Merde ! Vous l'avez tué ! Vous l'avez tué ! Aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Il y a de la place que pour deux. On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans les grands. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Isabelle revient. Vous venez? On décolle. Non.
Sois tranquille, d'accord? Je reviendrai te voir et... Je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais... Faut croire que Bowser a raison, je peux pas m'en empêcher. Comme je t'ai dit, je reviendrai. Bowser, un autre hélico du Nero. Qu'est-ce qui trafique ? Ok, c'est bon.
Ma truc. Les gens m'approchent. Je te vois courir partout. C'est serpentueux. Tire à terre. Grande saloperie. Non.
fils de pute! Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Aujourd'hui, je pensais aux origines de tout ça. Lâche-moi, ok? Je chasse du mutant. Tu piges ça, Boozer. Les primes. C'est uniquement pour ça. Uniquement pour ça qu'il retourne. Merde, des cavaleurs. T'es chier! Attends, ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. C'était juste des coups de semence. Si j'avais voulu me tuer, je serais déjà mort. Nick, tu te rappelles ce que je t'ai dit au sujet de tes pulsions suicidaires? Ouais, je le gère. Terminé.
Ok, c'est les radios. Bordel de merde, rends-moi ça! Cette petite merde, c'est à moi! Plus beaucoup de munitions. Enfin, putain, ces saloperies sont rapides. Qu'est-ce qu'ils foutent ? On dirait qu'ils étaient par là. Merde, à manipuler des mutants, je sais pas trop. Ils avaient un tétard dans une sorte de collet. On aurait dit qu'ils lui posaient un mouchard. Hein ? Comment ça, manipuler ? Tu sais, ils l'avaient attaché. Ils faisaient des prélèvements sur lui. Un peu comme dans les documentaires animaliers, c'était assez tordu. Ils sont carapatés quand des grouilleurs ont débarqué. Ils ont laissé de l'équipement derrière eux, une radio. Attends, tu crois pas que... Sarah ? Non, c'est... Je sais pas. Mais il est en vie, Boozer. Il est en vie. O'Brien, un des mecs du Nero. Je vais essayer de le retrouver. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Merde. Ok. Écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route. Je pourrais t'aider, Dick. Si il est vivant, on le retrouvera, cet enfoiré. Tu l'as dit, ouais. On se reparlera plus tard. Terminé. Ok, O'Brien, où tu te caches, enfoiré? Salut. Salut. Je suis comme qu'il irait perdu. Vous pourriez m'aider? Vraiment? Vous êtes perdu? Ouais, je cherche la vieille route de Belknap et ça manque un peu d'indication par là. Sérieux, vous vous payez ma tête? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh. Et il manquait plus que ça. C'est super. La grosse éclate. Et sinon, vous m'enseignez ? Quoi ? Oh, pardon, j'ai jamais entendu parler de Belknock, Belknack, Belny... Belknap. Belknap, ouais, c'est ça. Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve. Je suis désolée, je peux pas vous aider. C'est non, alors ? Navré. Ok. Bon, merci quand même. Hé ! Je vous dépose quelque part? Oui, volontiers. Merci pour cette offre si spontanée. Je m'appelle Sarah. Et moi, Deacon. Ah, oh, désolée pour le cambouis. Comment je fais pour monter? C'est pas sorcier, il suffit de... C'est l'enfourcher, ça, ok. Ouais. Tout le monde en selle. Si je... Ouh! Ok. C'est bon. Hey! Tenez-vous à moi. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est juste que... il n'y a pas de bar ici, alors... Mais si, il y a chez Crazy Willy, un peu plus loin sur la route, il y a aussi... Non, je voulais dire qu'on capte pas ici. J'avais compris. Bien sûr, je vois. Bon. Alors, que fait une fille comme vous dans un endroit pareil? C'est drôle, je me pose souvent la même question. Je bosse dans la recherche. Vous savez, j'étudie des choses. Merci, je voyais pas du tout ce que c'était, la recherche. Désolée, je m'occupe des plantes. Vous étudiez les plantes? Oui.
allez bien? Ouais, je suis juste... Oh, bon sang, c'est pas passé loin. Ça va, hein, vous êtes sûr? Oui, c'est le choc. Oh, la vache. Bonne nouvelle, je capte. Salut. Ouais, ça va, mais... La bagnole que tu m'as prêtée, là, c'est une épave. Il me faut une dépanneuse. Je suis sur là... Je sais pas, sur une route paumée. La route 42. Route 42. Ouais, 1,5 km. Ok, on se voit quand t'arrives. Allez, je vous raccompagne à votre voiture, on attendra la dépanneuse. Je sais pas trop... Pas de soucis, je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront. Ok, d'accord. D'accord, laissez-moi... Juste une petite seconde. Ils vont pas tarder à revenir, ok, alors, ok, c'est bon, on y va. Mais tâchez d'être plus prudent cette fois, d'accord? Vous étiez pas vraiment perdu, pas vrai? Ça dépend à qui vous demandez. Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années. En tout cas, vous connaissez bien la région. Donc vous êtes pas du coin? Non, je suis de Seattle. La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici. Et me voilà... parachutée au beau milieu de nulle part. Pour étudier des plantes. Tout juste. Je vous l'ai déjà dit. J'avais oublié. Enfin bref. La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bio-ingénierie. Certaines plantes que j'étudie sont très rares. Et il se trouve qu'elles poussent justement dans la région. Eh ben ça, ça m'embouffe carrément à quoi? Quoi encore? Vite! On a de la compagnie! Fais-moi le malin, alors, hein. Tu te prends pour qui? Un putain de méchant motard, hein? Bête-lui la gueule! Alors, t'aimes ça, ma poule? Tire la gueule! Ou moins les gros bras, hein? T'apprendras jamais, pas vrai, ma gueule? Ouais. On va t'apprendre! On va te donner une leçon! Allez! Merde! C'est sans moi, je me casse. Attends, 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 attends. Roule, bordel, roule. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non, non. Oh mon Dieu. Hey. Ah, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a... Je fouillais dans votre sacoche et je l'ai vu et... Oh mon sang, j'aurais pu tuer quelqu'un. Oh merde. C'est pas faux, mais il aurait fallu viser quelqu'un d'abord. C'est la première fois que je fais un truc pareil. Je l'ai vu, j'ai vu dans votre sacoche, j'ai essayé d'appeler la police. Vous avez bien fait. Ça captait pas, j'avais plus de signal. Voilà ce qu'on va faire. Restez avec vous ici et attendre que votre ami arrive. Merci beaucoup. C'est la première fois que je fais un truc de ce genre. J'aurais pas cru. Ah ouais? Thank you.
Tucker, quand de Hot Springs, vous me recevez? J'ai besoin de plus d'infos sur la survivante que Larsen a repérée à Marion Forks. Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais. C'est une jeune fille. Attends, il a parlé de chez Hungry Jim, le vieux resto à pancakes près du pont Est. Le bûcheron et la pile de pancakes. Ouais, je vois où c'est. Ok, je vais commencer par là. C'est ça. Et n'oublie pas, tu dois me la ramener. Les drifters sont passés l'autre jour, ils nous ont vendu quelques armes. Ça t'intéressera peut-être. Ok, j'y penserai. Terminé. Où est-ce que tu te planques? Elle doit être quelque part. Elle pourrait avoir besoin d'eau. Près de la crique, peut-être. Je vais jeter un coup d'œil. Elle vient sûrement chercher de l'eau ici. Ouais, elle s'approvisionne en eau tous les jours ici. Et elle se déplace prudemment. Et sans s'attarder. Plutôt futé. Elle évite la rue, on sort que la nuit, les mutants sont dehors, mais elle est moins visible. Putain de Reaper, y'en a pas un qui ressortira d'ici en vue! Vous dites que je l'ai vue, bordel de merde! Dispersez-vous pour la trouver! Y a une fille dans le secteur! Thank you.
chien. Je sais où t'es. Faut le libérer! Le libérer! Non, non! Derrière toi! L'égaré! J'ai touché! J'ai touché! Il est libéré! C'est du cadeau. Ça peut pas s'ouvrir. Fermé. Chargé.
La maison est fermée. Comment elle fait pour sortir? Une échelle, c'est ça.